Ce jeudi 16 mars, Vincent Cerutti célèbre son 41e anniversaire. À cette occasion, Gala vous propose d'en savoir plus l'animateur radio et télé. Voix emblématique de M Radio et ancien présentateur de Danse avec les Stars, il est notamment connu pour sa relation amoureuse passionnée avec une autre animatrice télé. Il s'agit d'Apsa Toussi, avec laquelle il est en couple depuis 2015. Mais Vincent Cerutti a déjà été amoureux d'une autre personnalité publique, par le passé. En effet, avant de rencontrer la femme de sa vie et la mère de ses bouts de chou, Abby et Isaac, l'animateur radio a vécu une idylle avec une ex-reine de beauté qui n'est autre que Chloé Morteau. Leur histoire a duré de 2009 à 2011, mais le chemin parcouru n'a pas été de tout repos pour eux. Celle qui venait d'être élue Miss France voyageait énormément et vivait notamment à New York pour poursuivre une carrière de mannequin, tandis que Vincent Cerutti était principalement demandé à Paris, en partie pour présenter l'émission Dalle sur TF1. Deux rythmes de vie complètement différents qui ont eu raison de leur couple. Lorsque leur relation a pris fin, la jeune femme de 32 ans s'était confiée à Gala, assurant qu'avec l'animateur télé la situation n'était plus au beau fixe et qu'ils devaient accepter qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Il valait mieux qu'il reprenne sa liberté, avait poursuivi Chloé Morteau dans nos colonnes. Découvrez Vincent Cerutti lors de son élimination dans Danse avec les Stars. Chloé Morteau est devenue une mère et une épouse épanouie et, visiblement, leur séparation a été bénéfique autant d'un côté que de l'autre puisque Vincent Cerutti avait retrouvé l'amour auprès d'un mannequin roumain prénommé Lavinia, avant de rencontrer Apsa Toussi. Pour sa part, l'ancienne reine de beauté avait rapidement fait la connaissance du pilote romain Thiavin, avec lequel elle a été en couple pendant 7 ans et qui lui a donné un enfant, prénommé Mati. Depuis 2019, Chloé Morteau nage en plein bonheur grâce à son idylle avec un certain Dean David Neigeux, qu'elle a épousé en juin 2021. De plus, elle est devenue, en mars 2022, l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Maeva. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Véan.